Cet usager sort manifestement d'une propriété privée. Je n'ai pas à le klaxonner car le conducteur semble avoir tourné son regard vers moi dans l'attente que je passe. Je ralentis tout de même du fait qu'il est proche de la chaussée. L'interdiction d'un panneau de prescription commence à l'endroit où est implanté le panneau. C'est la réduction du nombre des voies qui commence à 200 mètres. Je peux ici terminer un dépassement mais pas en commencer un. Ce panneau me signale seulement la présence d'un poste d'appel d'urgence relié à la gendarmerie. Il ne doit être utilisé qu'en cas d'urgence, pour signaler une panne ou un accident par exemple. L'appel est gratuit. Je peux également m'arrêter sur cet espace pour faire une pause. L'allumage des feux de route est obligatoire dès lors que l'on circule sur une route non éclairée. C'est le cas ici. Plus loin, j'allumerai les feux de croisement puisque la route sera éclairée. Lorsque la circulation s'établit en fil, comme ici à 80 km/h, je ne peux pas changer de voie, sauf si je change de direction. À cette vitesse, je devrais voir presque deux traits de la ligne d'arrêt d'urgence pour établir la bonne distance. Je suis trop près. Pour améliorer la visibilité, un nettoyage régulier des blocs optiques est indispensable. La durée de vie d'une ampoule est limitée à plusieurs centaines d'heures, mais sa luminosité diminue sans qu'on s'en aperçoive. Lorsqu'on change une ampoule, il faut toujours aussi changer l'ampoule symétrique. Il arrive parfois que la signalisation disparaisse sous la neige. Cependant, je dois appliquer la règle en vigueur, car les autres usagers ont peut-être un panneau qui leur est visible. En l'absence d'informations, je m'attends à devoir céder le passage et éventuellement à faire signe aux autres de passer. Le rétroviseur placé à droite permet de réduire en partie le manque de visibilité dans l'angle mort. Bien qu'il soit aujourd'hui monté sur tous les véhicules neufs, il n'est pas obligatoire pour les plus anciens. Aussi, dans certains cas particuliers comme ceux énumérés, il est obligatoire d'en faire monter un. Ce panneau, sans autre indication, autorise le stationnement pour tous les véhicules, y compris les caravanes. Cette limitation concerne l'ensemble des voies. En règle générale, la signalisation de danger et de prescription est répétée à gauche sur les chaussées séparées. Je ne circule pas sur une route étroite et sinueuse. Cette ligne annonce donc une ligne continue. J'ai dû tout juste passer la première flèche de rabattement, ce qui signifie que je ne peux pas commencer un dépassement ici. Regardez bien où nous circulons, et plus particulièrement les lignes de rive. Nous roulons en double sens de circulation sur la chaussée de gauche de l'autoroute en travaux. C'est de plus la fin de l'autoroute. La vitesse est alors réduite au moins à 90 km/h. Cette signalisation annonce l'entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle. De plus, la présence du symbole indique que la durée du stationnement est limitée à 1h30 maximum et contrôlée par disque. Il ne me reste plus que 300 mètres avant d'arriver à la bifurcation. Attention aux véhicules qui sont déjà placés derrière moi. L'autoroute que je vais emprunter n'est pas à péage car la direction de Palaiso est indiquée sur un registre séparé. Le péage ne concerne que les directions d'Orléans, Nantes et Bordeaux. Le cadran de gauche est le compte tour du moteur. Il permet de savoir si le moteur tourne normalement, en sous-régime ou en sur-régime. Une plage idéale de fonctionnement est préconisée. Pour la connaître, il convient de consulter la notice du constructeur. L'indicateur de vitesse est à droite. Certaines vitesses limites y sont bien repérables. Ce panneau me donne la marche à suivre pour aller à ici. À 200 mètres, je serai obligé de tourner à droite dans une bretelle de dégagement. Attention à ne pas confondre la direction d'ici avec la première direction proposée à gauche. Un contrôle anti-pollution est effectué tous les deux ans lors du contrôle technique pour un véhicule de plus de 4 ans. Les forces de l'ordre peuvent à tout moment procéder à des contrôles anti-pollution concernant le bruit et les gaz d'échappement. Un panneau de danger est situé à environ 150 mètres du risque qu'il annonce, en dehors des agglomérations. Le panneau saut qui le complète indique, avec les deux flèches dirigées vers le haut, que ce risque existe sur une distance de 500 mètres. L'interdiction de stationner sur une ligne zigzag est permanente. Certains bus circulent très tard le soir et très tôt le matin. Le véhicule risque la fourrière. Cet interrupteur se trouve sur la planche de bord et se manipule avec la clé de contact. Il est présent dans les véhicules afin de désactiver l'airbag côté passager avant. Il est actif sur ON. Il faut désactiver cette fonction lorsqu'un enfant est installé à cette place dans un dispositif spécial, dos à la route. L'usager en face devra couper ma trajectoire pour tourner à sa gauche. Il me cède donc le passage. L'usager venant de droite possède un CD le passage et doit lui aussi me laisser passer. Le premier panneau interdit l'accès aux véhicules transportant des matières inflammables ou explosives. Le deuxième panneau interdit quant à lui l'accès aux véhicules transportant des produits dangereux. Ce panneau de danger signale une sortie d'usine à 150 mètres. Aux abords des sites industriels, il existe un grand trafic de véhicules divers et notamment de poids lourds. Il est prudent de ralentir dès maintenant. Il me sera difficile de redémarrer sur l'épaisseur de neige, mais je dois marquer l'arrêt au niveau de la ligne d'effet. Les pneus neige s'avèrent ici efficaces. Un panneau de prescription prend effet au niveau de son implantation jusqu'à l'intersection suivante. Ce panneau interdit donc l'arrêt et le stationnement jusqu'à la prochaine intersection. Je circule actuellement sur un tronçon de créneau de dépassement. La voie centrale est réservée pour les dépassements dans mon sens de circulation. Je peux donc dépasser les véhicules en restant sur cette voie. La voie de droite est réservée pour la sortie vers Bordeaux à la prochaine bifurcation. En me plaçant sur celle-ci, comme le véhicule gris, je peux remonter la file ralentie qui reste sur la direction de Paris. Ce panneau marque la position du passage pour piétons. Bien que le marquage au sol du passage soit ici inexistant, il est probable que pour une question de visibilité du panneau, celui-ci ait été placé avant le virage. Je ralentis dès maintenant. Une fine pellicule grasse se dépose régulièrement à l'intérieur du pare-brise, ceci est accentué lorsque l'on fume. On la retire avec un coup de chiffon imprégné de produits pour nettoyer les vitres. Remplir le bocal de lave-glace avec un produit détergent et antigel. Le chasse-neige n'a pas eu le temps de passer et seule la trace pour le passage d'un véhicule existe. Les véhicules descendants doivent s'arrêter et se ranger afin de me laisser monter. Je serre à droite et je passe. Le dégivrage de la lunette arrière est un système de chauffage électrique commandé manuellement. Il doit être mis en marche quand le moteur tourne et éteint lorsque la visibilité devient bonne. Il sert à faire fondre le givre en hiver ou permet de faire évaporer la buée en d'autres circonstances. Ce panneau temporaire annonce un accident. Il a été placé par les services de secours. Un fort ralentissement s'impose dès la vue de ce panneau et l'allumage des feux de détresse n'est pas exclu, au moins pour informer les secours qu'on a réagi. On peut voir d'où viennent les camions du chantier grâce aux traces de terre. Ce panneau ne leur donne aucune priorité de passage. Cependant, il s'agit ici d'une priorité à droite et j'aurai éventuellement à céder le passage à droite à tous les usagers, y compris les camions de chantier. Le disque A se place bien en évidence sur la carrosserie et à gauche afin d'être visible par tous les usagers qui suivent le véhicule. Il ne doit pas être sur la lunette arrière car il cache alors la visibilité. La voie de droite est un couloir de bus réservé à la circulation des transports en commun. L'arrêt et le stationnement y sont interdits sous peine de retrouver son véhicule en fourrière. La voie de droite est réservée au bus, comme l'indique le panneau. On aperçoit de plus un bout de la ligne de voie réservée. Le conducteur du véhicule rouge s'est mal placé. Je dois rester dans ma voie et céder le passage au bus avant de tourner à droite lorsque le feu passera au vert. Ce panneau indique un refuge pour un arrêt d'urgence. Il est aménagé sur les accotements où la bande d'arrêt d'urgence n'est pas assez large ou inexistante. L'arrêt y est interdit en dehors des cas d'urgence. Avec l'usure des plaquettes de frein, le niveau descend toujours un peu, mais une baisse rapide et anormale de niveau résulte toujours d'une fuite. Il faut bien entendu rajouter du liquide pour éviter un problème plus grave et sans attendre faire déceler la fuite par un spécialiste. En dehors des agglomérations, les panneaux de danger sont situés à 150 mètres du danger qu'ils représentent. C'est ici le cas. La manche à air a pour rôle d'informer les conducteurs de la direction du vent et de son intensité dans les endroits fortement ventés. La force du vent est donnée par l'inclinaison de la manche. Il souffle actuellement de la gauche. Pour une meilleure maîtrise, il est conseillé ici de ralentir.